Après être venu vraiment ici à Kalea. Quand nous sommes venus à Kalea avec tristesse, parce que nous savons que peut-être c'est le destin qui a voulu comme ça. Nous avons eu ce drame vraiment incompréhensible. Vraiment, nous rendons condoléances à la famille disparue. Que nous disons que peut-être c'est le destin, c'est la volonté de Dieu, que nous allons revoir maintenant, en nous-mêmes, en tant que chauffeurs, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer ces fléaux-là. Parce qu'on a eu ce mois d'août est un mois d'août incompréhensible. Vraiment, nous rendons pardon à tout le monde, à toutes les familles perdues leurs parents. Non, il n'y a pas privé, il n'y a pas de notre côté. Tout, c'est nous qui le gérons. Il y a privé qui est mêlé dedans. Donc, nous défendons tout le monde. Si c'est venu, on endosse que c'est nos chauffeurs. On ne veut pas écarter le privé. Non, non, on est une seule famille. Inséparable. Il n'y a qu'un seul rescapé. Donc, tout le monde a vu qu'on a dégagé le camion sur cette place, que vraiment c'est intolérable, c'est vraiment douloureux. Nous excusons à leurs parents de dire que c'est leur destin, c'est la volonté de Dieu que nous prions à ce disparu. Et nous allons reconnaître que le véhicule n'est jamais parti seul. Le véhicule est conduit par un chauffeur. Donc, s'il y a un accident, d'abord, la première des choses à calculer, d'abord, c'est le chauffeur. Maintenant, on va voir qui a causé cet accident-là. Ils ont dit que c'est la pluie. Donc, c'est la responsabilité d'un chauffeur. S'il y a beaucoup de pluie, la visibilité n'est pas visible. Vous freinez, attendez la pluie. Même si c'est une heure de temps, deux heures de temps, 30 minutes, vous attendez. Après avoir vu là où vous allez conduire pour partir. Mais peut-être c'est le destin de Dieu, au moins on n'y peut rien. Voilà, le mois-là, ce n'est pas notre mois. Franchement, à Ziguinchor, la région de Ziguinchor a perdu beaucoup de personnes. Moins de deux semaines, ce n'est pas souhaitable, mais peut-être Dieu a décidé ainsi, nous allons l'accepter, que la faute nous revient.